avez donc chips de polenta, vous avez dans les cuillères une mousse de panais avec graines de sarrasin torréfiées, et vous avez brioche feuilletée avec une crème de capre sur le dessus. Souhaitez-vous de l'eau plate ou pétillante sur le repas de la nature? Une carafe de mousse. Une carafe de mousse, ouais. En guise de mise en bouche, un velouté de petits pois et pois cassés. Bonne dégustation. Très bien, merci. Le céleri cuit au foin et truffe mélanosporum. Bonne dégustation. Vous avez donc le bouillon de Saint-Jacques et foie gras, vous avez quelques radis sur le dessus et les navets. Vous avez les algues wakame pour accompagner et le yuzu cochon qui se trouve dans le bouillon. Excellente suite de repas. À poursuivre avec la lotte, carotte onctueuse et jus de sangria. Quelques pousses d'épinards pour accompagner. Bonne dégustation. Merci. C'est donc les Pyrénées, vous avez un condiment. Pâte d'amande et olives, la date pour accompagner, quelques navets juste glacés et la poitrine garnie de quinoa. Excellente dégustation. Ouais. Voici donc la coque citron, vous retrouvez donc à l'intérieur un cœur pralin, vous avez la crème de noix pour accompagner, un sorbet citron, et sur le dessus le crémeux citron et vous retrouvez les noix du Périgord. Le chef pâtissier vous conseille de casser toute la coque que vous puissiez découvrir tous les arômes. Donc le feuille à feuille de chocolat grand cru, cerfeuille tubéreux, et truffe mélanosporum pour vous, monsieur. Bon appé. Merci, c'est gentil. Bon anniversaire. Oui, heureusement, il n'y a pas l'âge marqué. On reste soft. Voici, pour terminer, vous aurez un financier pistache framboise, madeleine à la camomille, on est sur un agrume philippin, et une pâte de fruits pomme poire et safran. Merci. Voilà, ça y est, c'est bon. Merci pour ce déjeuner. Merci beaucoup. Je n'ai plus rien à ajouter.